nous avons perdu 121 pièces, au nombre desquelles il y avait aussi la collection d'or du président Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est l'effacement de tout un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on pille un musée, on montre qu'il y a déjà une dénégation de la reconnaissance de l'identité. Au niveau du paysage politique, même jusqu'à aujourd'hui, la tension est palpable. Pour nous, à tout moment, on pouvait avoir une implosion, en fait. Donc, il fallait le plus rapidement possible travailler. Quelqu'un nous a parlé d'Alif. Et nous nous sommes dit, mais tiens, il y a encore des structures qui aident les musées en Afrique. On se dit, mais ça, c'est une aubaine qu'il ne faut pas laisser passer. Malheureusement, les portes que nous avions n'étaient pas assez robustes pour éviter qu'on vienne les forcer et ouvrir pour s'emparer des collections qui sont des pièces uniques. Donc nous avons demandé à Alif de nous aider et Alif a répondu favorablement et donc nous a donné la possibilité donc de renforcer les portes par des portes blindées. Une porte blindée, deuxième porte blindée et là aussi, à l'intérieur, nous avons une autre porte blindée. This specific project is also an example of a prevention project that Alif supports. Not only after disaster strikes, but really trying to prepare the ground and make sure that the museum, the institution, is ready in case of emergency situations in the future. Nous sommes allés sur la première opération à hauteur de 69 000 dollars, ce qui est énorme parce que ça dépasse mon budget de fonctionnement annuel. Quand il y a eu la réalisation des travaux financés par Alif, vraiment le regard qu'on a porté jusque-là sur le musée avait changé. C'est une organisation dont l'Afrique a besoin, dont les musées africains ont besoin. Ici, nous avons réorganisé la réserve avec de nouveaux supports de conservation qui sont en support métallique, inoxydable. Ces supports-là, qui sont sains et qui n'ont pas d'impact sur les objets, participent à la longévité de nos collections. Parce qu'au départ, on avait des supports de conservation en bois, qui était un danger permanent pour les objets. Donc, il y a une amélioration assez importante aujourd'hui dans la conservation de nos collections. Si demain, nos enfants et les enfants de nos enfants arrivent à voir les objets, ce sera en partie grâce à Alif.